Si ça a trop serré, vous pouvez sentir la chaîne dans le point de saillot et puis vous mettez le bois ici. Nous avons une phase théorique qui était faite déjà. La phase théorique l'a fait depuis lundi dernier. Nous faisons lundi et mardi. Nous avons fait deux phases théoriques. Et là, nous avons fait pour tout prestataire de santé. Et puis, pour personnel de soutien. Nous parlons de personnel de soutien. Nous avons nettoyeur, nous avons brancardier, technicien de stérilisation et j'en passe. OK? Aujourd'hui, là, nous avons fait phase pratique formation sur le site parce que c'est toujours très important. Leur a fait formation pour Mounio pour venir exactement côté pour le travail pour qu'on mette dans l'ambiance. C'est dans ce sens-là qui fait nous venir avec l'équipe là, dans le site olympique là, pour qu'on ait tout circuit patient, circuit personnel là, et puis pour qu'on ait exactement le travail pour le faire pour mettre dans l'ambiance, pour leur venir, pour qu'on pas étrange dans le travail là. C'est ça qui fait nous décider de faire journée, phase pratique ça pour tout le personnel là. Nous avons environ 150 personnes qui sont présents aujourd'hui. Et demain, si Dieu veut, tu as supposé avoir un autre groupe pour nous continuer avec la phase pratique. Là. Et bien, l'autre moniteur qui est là, l'autre facilitateur pour nous continuer ensemble avec lui. Dans le groupe aujourd'hui, nous avons un groupe pluridisciplinaire. Nous avons médecins, nous avons infirmières, nous avons auxiliaires infirmières, nous avons personnel de surface. Et puis nous avons quelques techniciens laboratoires qui étaient là ensemble avec nous, plus personnel administratif. Là. Et demain, si Dieu veut, nous avons reste équipe qui est là avec nous dans la formation pratique là, demain, si Dieu veut. Est-ce qu'on explique un petit danger
et yo capable rencontrer. OK. Comme nous nous t'app suivre depuis le commencement, par contre c'est qui est arrivé depuis le commencement dans phase théorie qui était faite déjà, nous t'ai expliqué tout mon yo, nous t'ai parlé un peu de maladie. Comment maladie en présenter, phase et signe qui ca faire reconnaître maladie en la caille en monde et qui précaution pour yo prendre pour yo pas contaminer. Depuis la phase théorie nous t'ai fait et dans phase pratique là encore, nous t'ai font rappel pour yo avant que nous commencer faire fait pratique. Habillage, déshabillage, respecter tout ce qui est. Nous avons entré, mais qui date le bayo pour être capable de commencer le travail? Bon. Au plus tard, dans la semaine qui va venir, nous supposons commencer. Mais là, je dis c'est comme si c'est commencé, nous avons commencé le travail. Là. Parce que non, pour commencer le travail, il faut avoir une phase préparative. Donc, je dis commencer, nous commencer. Mais bientôt, il y a fixé qui date, il y a annoncé tout le monde qui date, il y a commencé à recevoir patients. Mais là, nous avons dit c'est commencer, nous commencer. Parce que nous commençons dans la phase préparative là, avec tout le personnel. Là. Mais pour recevoir patients, bientôt, il y a dit nous qui veut. Mais nous-mêmes, en tant que médecins, nous sommes déjà prêts. Je dis à 95% nous prêts. Parce que par exemple, il y a des gens qui finissent prêts à 100%, mais à 95% nous prêts. Quelle inquiétude nous avons de maladie en tant que médecin, parce que nous voyons l'ambiance là. Oui. Yeah. Et nous connaissons que c'est mon mouillé, nous avons infecté tout. Est-ce que nous n'avons pas d'inquiétude, nous n'avons pas peur là, caille non? Je ne peux pas employer le mot peur. Nous, peut-être que nous avons dit inquiétude, j'en dis. Hein. Parce que nous, c'est des êtres humains, nous prenons plus ou moins exposés au premier plan, avec tout le monde. Mais sauf que nous connaissons avec principe, si nous respectons toutes les consignes, nous avons bien très peu de risques pour nous contaminer. Nous ne sommes pas infaillibles, autant de partout dans le monde, grand pile personnel médical qui est infecté. Nous même n'avons pas appliqué toutes les précautions que nous devons suivre et puis réduire les risques le plus que possible. Est-ce que vous pensez, nous-mêmes, en tant que médecins, habillement, quand pêcher nous infecter. J'aime ça dire là pas un risque zéro qui existe. Même si vous avez équipement sur vous, vous êtes toujours infecté. Tout ça que vous mettez en tête, vous le protégez à 95%. Mais n'a pas appliqué, n'a pas respecté, n'a pas lavé les mains et puis n'a pas espéré que nous ne pas infecter. Quel message vous avez pour le peuple là? Message que j'aime bien pour la population, c'est dire suspendre vivre dans le déni. Parce que la maladie est bien réelle, elle est bien réelle dans le monde et en Haïti. Tout le monde prend précaution, suit le conseil ministère là-bas nous, et ensemble comme ça, nous allons arriver à combattre la maladie. Merci. Merci. Vous pensez? Miss Telus Marina Eli, infirmière DSI du centre COVID de Delmas.